Salut Anthony, comment tu vas? Bah écoute Seb, ça va très bien et toi? Mais je suis en pleine forme, est-ce que tu es prêt pour jouer? Bien sûr. Ensemble, un jeu pour 1 million, acceptes-tu de... Eh bah alors jouons, allons-y. Eh bah c'est parti. Pour 1 million, acceptes-tu de ne plus avoir de téléphone? Oui, pour 1 million d'euros, j'accepte de ne pas avoir de téléphone, carrément. Accepterais-tu d'embrasser ton ex et de l'envoyer à ton copain ou ta copine actuelle? Pour 1 million d'euros, mon ex là? Et de l'envoyer à ta copine actuelle? Attends, on répète la question. Accepterais-tu, pour 1 million d'euros, d'embrasser ton ex et envoyer la photo à ton copain ou ta copine actuelle? Alors moi, j'ai pas de copine actuelle, plus maintenant, on va dire. Donc ça servira à rien. Si t'étais avec elle, tu l'aurais envoyé ou jamais? Non, jamais. Si je suis avec ma copine, que je suis en couple avec elle, jamais d'avis, ça se fait pas. Es-tu capable de sortir 3 mois amicalement avec quelqu'un que tu détestes pour 1 million d'euros? Non. De ne pas prendre de douche pendant 7 jours. Pour 1 million? Ouais, même 2 semaines si vous voulez. Trop fou, j'en pas de chez moi. Pour 1 million d'euros, acceptes-tu de ne plus avoir Netflix? Oui, parce que je regarde pas spécialement Netflix, donc oui, je pourrais accepter. Acceptes-tu de ne plus avoir d'amis? Non, pour 1 million d'euros, non. Même 10 millions, impossible. Pour rien au monde? Impossible. Acceptes-tu pour 1 million d'euros de faire un saut en parachute? Je peux en faire 10, si vous voulez, pour 1 million d'euros, avec grand plaisir. Et même un saut à l'élastique? Même, je peux même faire 20 sur l'élastique pour 1 million d'euros, avec grand plaisir. Ah ouais, t'as peur de rien toi? Non. Enfin si, mais pas pour ça. Acceptes-tu d'avoir la gastro pendant 1 an contre 1 million d'euros? Ah ça c'est chaud. Ah ça c'est dur hein. 1 million d'euros, gastro pendant 1 an, 365 jours. Exactement. Je peux me tâter à le faire, mais je suis pas sûr, hein. Il faudrait que je réfléchisse une petite semaine. Mais pourquoi pas? Mais c'est dur quand même. T'es courageux. Je sais pas si c'est du courage ou de la bêtise, mais faut voir. Acceptes-tu pour 1 million d'euros de repasser le bac? Oui, bien sûr, pour 1 million d'euros, je repasse le bac 6 fois si vous voulez. Acceptes-tu de ne plus parler pendant 1 mois pour 1 million d'euros? Ouais. Pour 1 million d'euros, ouais. Acceptes-tu de ne manger que des pâtes pendant 1 mois pour 1 million d'euros? Bien sûr, parce que c'est ce que je fais déjà presque tout le temps, donc oui. Acceptes-tu de quitter définitivement la France? Pour 1 million d'euros? Non. Acceptes-tu de changer de métier? Pour 1 million d'euros? Ouais. Ça dépend le métier que je peux faire derrière, mais non, je pense pas. J'aime trop la danse, j'aimerais toujours pouvoir danser. Est-ce que tu accepterais pour 1 million d'euros de ne plus faire de sport à l'année? Non, non, pour 1 million... Ah, de sport du tout? Pour 1 million d'euros, si c'est juste 1 an, je peux le faire. Oui. Acceptes-tu d'écouter la même musique pendant 24 heures pour 1 million d'euros? Même 48 heures si vous voulez. Acceptes-tu de changer de prénom et de nom pour 1 million d'euros? Non, jamais. Acceptes-tu d'avoir d'un coup, immédiatement, 5 enfants pour 1 million d'euros? Non, jamais. Enfin, les enfants, je sais pas, mais... Pas maintenant? Non, pas maintenant. Acceptes-tu de ne plus avoir d'animal de compagnie pour 1 million d'euros? Non, jamais. Acceptes-tu d'être célibataire à vie? Non, jamais. Acceptes-tu d'insulter toutes les personnes que tu aimes sans pouvoir leur expliquer la raison? Combien de fois? Allez, on va dire pendant 1 mois. Sans leur expliquer? Non. À la fin, tu gagnes 1 million. Ouais, mais c'est pas grave. Acceptes-tu de faire une télé-réalité? Pour 1 million d'euros? Je suis pas trop télé-réalité, j'ai des amis qui font de la télé-réalité, mais je me sentirais pas à l'aise, donc non, je préfère gagner ma vie comme je la gagne actuellement et pas faire de télé-réalité. Pour 1 million d'euros, acceptes-tu de ne plus voyager? Non. Pour 1 million d'euros, accepterais-tu de vivre tout nu, en public, pendant 24 heures? Pendant 24 heures, tout nu, mais où? Bah en public, tu te balades dans la rue. Dans Paris? Voilà. Non, non. Non. T'as hésité? Ouais, parce que tu me dis 1 million d'euros. 1 million d'euros, il faut quand même... C'est quand même énorme, 1 million d'euros. On peut dire ce qu'on veut, même une personne très riche, 1 million d'euros, ça reste 1 million d'euros. Selon ce que c'est, on peut dire oui, mais parfois ça sert à rien. On continue à vivre comme on est en train de vivre et tout va bien. Accepterais-tu, pour 1 million d'euros, de ne plus avoir de réseaux sociaux? Pour 1 million d'euros? Oui. Oui, bien sûr. Parce que les réseaux sociaux... pardon. Parce que les réseaux sociaux, bon, c'est bien, mais c'est pas la vie. Hein. C'est pas la vie du tout, au contraire. Pour 1 million d'euros, accepterais-tu de vendre un membre de ta famille? Pour 1 million d'euros, je vends un membre de ma famille? Jamais d'avis. Je rigole, jamais d'avis. Est-ce que tu acceptes ce défi d'être suivi par un clown tueur pendant 10 minutes
S'il te rattrape, t'es mort. Mais si tu le sèmes, tu gagnes 1 million d'euros. Non, jamais de la vie. Pas besoin. Accepterais-tu de ne plus écouter de musique pour 1 million? Non. De ne plus toucher ton téléphone pendant une semaine? Bah oui, largement. D'adopter un reptile? Ouais, j'aime bien. De dire oui à tout? Non. Pas à tout. Tu disais que t'aimais bien les reptiles. Mmh. Tu prendrais quoi? Serpent. Oh! Ah ouais, t'es courageux. Serpent. Un gros serpent. Ah non! Mon dieu. Pourquoi? Tu pensais à quoi? Bah je sais pas, mais moi les serpents c'est horrible. Ouais, un serpent. Accepterais-tu pour 1 million d'euros de ne plus pouvoir dormir? Je dors pas beaucoup. Je me couche tard parce que j'ai du mal à dormir. Donc de ne plus dormir du tout? Ouais. Non. Accepterais-tu pour 1 million d'euros de te faire la boule à zéro? Oui, largement. D'abandonner. Ça repousse les cheveux. C'est vrai. Es-tu capable d'abandonner ton ou ta meilleure amie? Pour 1 million d'euros? Non, même pour 10 millions. De casser ton téléphone immédiatement? Là, tout de suite, pour 1 million d'euros? Oui. Es-tu capable d'aller 1 an en prison alors que tu n'as rien fait? Non. Es-tu capable de ne plus manger de chocolat? Je mange pas trop de chocolat, donc ouais, large. De ne manger que des légumes? Oui, je pourrais, pour 1 million. Attends, toute la vie? Pendant 1 an. Oui, je le ferai. Es-tu capable de te faire relooker par ta grand-mère pour 1 million d'euros? Oui, complètement, parce qu'elle est très forte, ma grand-mère. Et enfin, dernière question, es-tu capable de gifler ton idole pour 1 million d'euros? De gifler mon idole? Non. Non, non, non. C'est qui ton idole? Mon idole? J'ai pas d'idole, mais... Moi, j'adore Leonardo DiCaprio. Donc tu lui fais rien? Jamais, j'aime trop. Trop Leonardo DiCaprio. Il a tout. Il a tout, ce mec. Il a tout compris. Merci, Anthony. Merci à toi, Seb.